Salut les copinous, c'est Max et on se retrouve aujourd'hui sur Fear 3 sur PC. Donc Fear 3 est un jeu qui a été développé par Monolith Studio et édité par Warner Bros Interactive qui est sorti en juin dernier. Et donc bah aujourd'hui c'est une vidéo découverte du premier niveau du jeu. Et bah si ça me plaît et que ça vous plaît, bah pourquoi pas continuer à faire l'intégralité du jeu. Donc voilà, et puis bah là, je vous ai passé la cinématique d'introduction qui était assez longue. Mais en gros, le monsieur que vous avez vu là, qui parlait, bah c'est mon frère. Je crois que c'est Paxton Fettel. Et donc il a pris possession de ce monsieur pour tuer ce monsieur, et ensuite moi j'ai tué ce monsieur. Voilà, c'est un véritable manchon, une boucherie. Et donc bah voilà, bah là on prend les commandes du joueur, et bah on va y aller. C'est parti, on ouvre la porte. Vous échappez à l'isolement. Bon bah voilà. Je tiens à vous remercier par rapport au sur ma chaîne parce que j'ai presque 100 vues. Je suis à 96. J'étais à 96 la dernière fois que j'ai regardé. Donc merci à vous. Ça me fait grandement plaisir. Même si j'aimerais un peu plus de commentaires de votre part, mais bon, on peut pas tout avoir, mais ça me ferait plaisir de communiquer avec vous sur des sujets quelconques. Voilà, laissez des commentaires, ça me fera plaisir. Bonjour toi. Au revoir toi. Ok, j'ai récupéré son pétard. Ça, c'est ouvert. Je suppose que c'est ça qu'il fallait faire. C'est compris, ramenez-vous, il s'échappe. C'est mort, vous sortirez pas d'ici. Mais, je peux pas sauter. Ah, mise à couvert. D'accord. Ok. Ah bah... Je savais bien que j'avais entendu quelqu'un. Bien. Voilà. Voilà monsieur. T'as pris pour les autres. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Oh, un levier. Ah putain. Oh, il y a encore ses yeux là. Non, arrête de me regarder. Non. Oh putain, c'est flippant. Vous avez vu? Fier, c'est ça. Et la petite gamine machiavélique là qui va apparaître, elle a disparu. Qui va apparaître dans les moments les plus impromptus, qui va vous foutre la flip de votre vie. Là c'était le cas. Ça commence bien. Oula, mais attendez, ouais, j'ai pas le temps de me remettre de mes émotions, qui a déjà du people. J'en ai déjà eu un. Toi reviens. Attends, on va aller le chercher. Hop là. Tiens. C'est bien, attendez. Ah, on fait des coups de pied glissés, c'est cool. Et à intégrer les nouvelles unités. On récupère encore des munitions et des grenades. On a une lampe torche, ok. Bon, on va pas l'allumer tout de suite. Là, il y a du monde. J'ai balancé une petite grenade. Tenez, cadeau. Oula, maintenant, il y a du monde. J'ai attiré le peuple, là. Bon. Hop, furtivité quand tu nous tiens. Tiens toi. Tout ça te oh putain rapidement. Bah y'a personne. Les gens ils disparaissent. C'est flippant. Bon attendez, y'a quoi par là? Wow. Je suis où là? Ah d'accord, je suis de l'autre côté. Ok. Ok, ok. Des jumeaux sur la table. Ils ont des conversations, mec. Attendez. D'accord, c'est de là d'où je viens. Je pense. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, on va continuer. On va rentrer dans cette pièce. Maintenant j'ai une nouvelle arme.
Bonjour. Voilà monsieur, vous avez pris cher. Je récupère vos munitions si vous permettez. Effectivement. Je crois qu'ils m'ont déjà vu. Effectivement. Et coucou. T'as bien fait de venir là toi. Laissez vos putains de têtes. Vérifiez. Mais... on va lancer une grenade. Je sais pas si j'ai touché quelqu'un. Où ils sont? Voilà. Lui il est mort. Ok, bon. Il y en a partout. On va y aller comme un bourrin. Ah mais non mais elle se planquait. Est-ce qu'on a un intrus? T'as vu cette merde? J'y suis. Oula. Eh oh. Viens là. Oh putain, on me tire dessus de l'autre côté. C'est quoi ce jeu de ouf? Bougez-vous le cul. Wow. Besoin d'aide par ici, couvrez-moi. Mais bon, mais il va falloir qu'il se calme là. Je joue comme une merde. Mais bon, ça a l'air de passer. Difficulté est pas trop prononcée pour l'instant. Ah mais d'accord, c'est là-bas. Fallait le dire. Oh merde, il y a quelqu'un là. Je l'ai pas tué. Ça j'aime bien, ça c'est marrant. Ah, bonjour monsieur. Ça j'ai pas flippé cette fois. On va continuer. Quoi par là? Des toilettes, des lits, ok. Et par là, pareil. Bon, c'est des cellules quoi. Ouais. C'est peut-être un truc intéressant à part dans les cellules. Là-dedans, non. Là-dedans, une arme. Et du sang qui coule à l'envers. C'est original. Oh putain. Non, je veux pas. J'ai pas vu ce que c'était. Vous me direz ce que c'était parce que j'ai juste vu. Je l'ai juste s'en aller. Mais ça avait l'air d'être la gamine. Donc vous me le direz dans les commentaires. Hein. Alors ça, c'est E pour établir un lien psychique. Je fais la fumée, monsieur. Non. Oh, envole-toi. C'est marrant comment ils partent. Là y a rien. Ok bon, bah elle est par là. Attention avec ta lampe de poche, elle va te faire repérer. Je l'ai pas ma lampe de torche. Ma lampe de torche, oui. Bien vos plans de patrouille. Partez pas en vadrouille. Ok bon. On va essayer d'y aller furtivement. Hein. Escadron, au rapport. Tout est normal. Je crois qu'on m'a vu. Qu'est-ce que c'était? Bon mais finalement on n'ira pas furtivement. Alors la bullet time, je sais pas comment je l'ai activé mais c'est pratique. Ok, donc il va falloir que je trouve comment on active la bullet time parce que c'était super pratique. Et là maintenant on me balance des grenades. Toi ta gueule. Excusez-moi de ma vulgarité mais. Waouh. Mais il fait quelqu'un là, il y a quelqu'un là-bas. Ah, c'est contrôle, d'accord. Je voulais me baisser, j'ai activé la bullet time. Ok, ok, ok. Ok, donc c'est pas par là qu'il faut passer. Là c'est fermé. D'accord. Attendez. Putain, toi t'es mort. Toi aussi je crois. Allez, montre-toi. Voilà. J'ai vu une nouvelle arme. C'est quoi ce truc? Ça a l'air d'être un fusil à pompe. Oula. Petit réflexe. C'est quoi ça? Oh, des grenades.
On va aller le tester. Hein. Cible perdue. C'est la cible. D'accord. Ok. C'est efficace. Je sais pas où sont les autres. Là-bas. Ok. Maintenant que je sais comment on l'active, je vais pas arrêter de l'utiliser. Vraiment pratique. On va descendre. Il y a un truc là. Ah. Pas été par là. Donc il y a une porte. Un Bobby. Bobby n'est plus. On va descendre, hein. Ça a l'air d'être par là. Les munitions. Ok, il y a un levier là. Ça va encore me porter préjudice. Ok, ça ouvre là-bas. Et maintenant il y a du monde. Ok, bon. C'est celle que j'ai vue, donc pour l'instant on va se planquer. Oh! Alors attendez, comment on change de grenade? Ah, comme ça. Oula! Ne laissez pas bouger. T'es pas calculé, toi. J'ai un visuel. C'est pas possible. Oula. Il balance des grenades, même dans les fours. Hop, tiens, toi t'es mort. Il en reste un là. J'aime bien le corps à corps dans ce jeu. Hop! On peut faire des coups de pied sautés, c'est ce que je voulais vérifier. Ça, c'était drôle. Donnez cadeau! Ah, c'était une flash, d'accord. Bon ben voilà. Oula, excusez-moi, il y a un petit ralentissement. On va continuer. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais je pense finir le niveau quand même. Attention à toutes les unités. Oula. Une expérience d'importance majeure s'échappe. C'est des choses là. Le sujet se dirige vers la cantine. Oh putain! Ouais, il se passe des choses bizarres ici. Ça c'est verrouillé. Oh putain. Ça fait flipper un peu. Encore des gens qui se baladent là-bas. Lui il est drôle. Il est mort d'une belle façon lui. Attendez, je suppose. Voilà, par là, on récupère. Envole-toi. Hop, et le sang s'écoule toujours vers le haut. Chose que je ne trouve toujours pas normale, mais bon. Les développeurs ont l'air de trouver ça normal quant à eux. On va essayer d'aller par là. Oula, il est même là. Cible ennemie en vue. Bon, la bullet time est vraiment pratique, hein. Ça a l'air un peu cheaté. Oula, bonjour toi. Tout le monde à terre. Oula. Ouais, on peut passer par là. Ok. T'es passé où? Il a liquidé l'escadron entier. C'est l'enfant. Bonjour, petit Bobby. Bon, il était tout seul. Oula, il y en a un là. Je t'ai eu. Merde. Oh, je suis bien visé. En position dans la cantine. Il passe par ici. Ok. Bon, faut que j'aille à la cantine. Je vais manger du kiri. Bonjour, je viens manger du kiri. Ils ont pas l'air d'avoir apprécié mon petit bidon. Ouh, lui, il a pas l'air d'avoir apprécié mes balles dans la tête tout court. Attendez, on va aller par là. Ouais, des munitions pour fusil à pompe. On va continuer par là. Hein. Toi, je commence à me faire à la jouabilité. Hein. Bien. Bon, je suis ton bras. Oula, mais il se cache. Voilà, avec la bullet time, c'est vraiment un petit massacre. Hein. C'est où, toi? Tiens, lui, ça fait trois fois que je lui tire dessus. Oula, il y a un monsieur Peupon. Tiens, copain Peupon. Tiens.
je l'ai fini comme ça, moi. Voilà. On est caché. Derrière la table. T'as vu cette merde? Vous vous foutez de moi? À couvert. Derrière ton doigt. Salaud. Bon, j'ai fait le ménage, donc je suppose que par là on va récupérer le monsieur qui s'envole que j'ai vu. Il est là-haut. Envole-toi. J'aime bien faire ça, c'est drôle. On dirait vraiment qu'il s'évapore. On va partir par là. Par là, par là, par là. Là, 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 là. Oula, putain, ouf, je m'y attendais pas là. Viens, je campe, connard. Voilà. On va y aller. Continue la bullet time. C'est efficace, y'a pas à dire. Ça pète des culs. Comme on dit chez moi. On va aller par là. Y'a encore un petit levier. Pas de petite fille, c'est bon. Je vais aller par là pour voir ce qu'il y a. Bon. Élève-toi dans les airs. D'accord, ils sont en face là-bas. Flash! Ah, elle a bien marché ma flash. Elle a bien marché. Attendez lui. Ouf. J'y vais comme un bœuf, hein. Oula. Ah, toi. Boum. Voilà. Bien, le corps à corps est vraiment efficace dans ce jeu. On va descendre. Ici Delta 2-3, cible perdue. Direction le bloc de cellules Charlie. Ok. Ah bah Charlie alors. Moi je vais par là. Ça me fait toujours autant délirer. Ok. Voilà. C'est la fête du fusil à pompe. Oh tiens, il y a un monsieur là. Je vais aller chercher. Par les pieds. Tiens, c'est quoi ça? Wow, flippant. Toujours pas ce que c'est. Oula, attendez, j'ai un petit ralentissement. Il se passe des trucs là. C'était une poupée d'Alma. D'accord. Alma, pour information, c'est la petite gamine. Qui est la mère de mon héros, à ce qui paraît, et de son frère, celui que vous avez vu au début, qui a une tête de psychopathe. Donc c'est original. Elle a 8 ans et elle a des gosses. Donc là, c'est 14 juillet ici, on va allumer la lampe torche. À toutes les unités, les tirs ont percé des canons de sang-gaz. Oh putain. Ça affecte les lignes électriques, cessez le feu. Non, je peux pas. Ah putain, m'a foutu des frissons. Excusez-moi si j'ai une voix super aiguë. Mais j'aime pas ça, putain, elle me fout des frissons cette gamine. Là j'ai un peu peur du script là. Je sais pas si vous entendez comme moi. Oula, j'aurais pas dû faire ça. Putain, c'est quoi ce bruit là bizarre? Putain. Voilà, c'est ça, Fier. Vous avez des phases de jeu hyper bourrines et après vous flippez votre mère. Comme une petite lopette. Oh non, mais c'est pas possible. Ils veulent me faire avoir une crise cardiaque. Oh tiens, toi aussi, envole-toi. J'espère. Maintenant c'est Rammstein. Maintenant. Firefly. Moi je vais arrêter de chanter. Non mais attendez, on a... Quoi? C'est vraiment le 14 juillet ici. Wow, putain.
quelqu'un. Oh bah lui, électrocuté, cramé en même temps, bah là c'est la fête. Hein. Toi, t'avais vraiment pas de chance. Il a glissé comme une loque. Il va se relever. Hein. Il a rien. Attendez, j'ai pas été fouillé en bas des escaliers. Tout à l'heure, j'ai trouvé une poupée, donc ça se trouve, là, je vais trouver autre chose. Et... Ah oui, je savais bien. Il y a un monsieur qui doit s'envoler. Bon, je le ferai pas... Je le ferai pas chaque fois que j'en vois un maintenant, parce que c'est vrai que ça devient un peu lourd hein, pour vous, je pense. Donc, je vais arrêter. Je pense que c'est pareil que je dois aller. Ah, bah la lumière, je pourrais éteindre la lampe torche. Oula, il y a quelqu'un. Moi qui essaie d'être furtif. Tiens. Hop, on s'équipe, on y va. Oula, merde, j'ai fait le con là. Je vais me flasher tout seul. Bon. Oh putain. Attendez, on me tire dessus avec un truc bizarre là. Ah oui, je me disais aussi. Hé hey, Bobby. Merde, j'ai plus de balles. Hey, il m'a traité de sale pute. Viens là toi. Tiens, 4 balles il lui faut. Là vous m'avez pas mis content là. Tiens. Tiens. Tu fais quoi à courir toi? Ah non mais là il fallait pas me traiter. Fallait pas insulter. Fallait pas m'insulter comme ça, de petite pute, hein. Ah, ça j'apprécie pas. Attendez. Ça me bourrine, en fait. Je vais aller chercher. Ouais, non, non, mais lui, là, je les aime pas, ceux-là. Tiens. Explose. Là, où, là, il se passe des choses, là. Ouais, d'accord. Là-dedans, parce que là... Oh, c'est un passage. Encore un corps qui s'envole. Quelqu'un passe. Quelqu'un qui vient, là. Bon, c'est parti. Lui, il a pas aimé. Il y a un monsieur avec un peu pont là. Tiens. Arrêtez de me traiter. Arrêtez d'insulter ma maman maintenant. Alma va pas être contente à force. Tiens toi. Alors lui. Ah oui non, c'est que j'avais activé le... J'ai été promu. Oula, ça m'a fait ramer le jeu. Super soldat. Doit y avoir un système d'XP dans ce jeu. Oh putain. Je vais pas bien mon bonhomme. Je suis un peu le bourrin. J'ai en train de me planquer aussi. Oula. Il se passe des trucs là. Pourquoi je suis tout... Ok bon. C'est quoi ce bordel? Il y a des bruits de monstres. Il y a des monstres. Et lui il a mal au crâne. Petite cinématique. Il a pas l'air d'aller bien. Faut prendre un doliprane monsieur. Waouh carrément. Oula. C'est la totale. Jolie transition avec la cinématique.
Ah, ben monsieur psychopathe qui nous sauve la vie. C'est beau la fraternité. C'est vrai qu'il a vraiment une tête de... Salut, homme à la casquette. Bonjour, papy. Je vous ai donné la vie. Dieu, c'est toi? Vous allez le craindre, comme c'était le cas. Maman? Ok, ben voilà, donc c'était le premier épisode, enfin, le premier niveau de Fear 3. Je le rappelle, sorti en juin dernier, développé par Monolith Studio et édité par Warner Bros. Interactive. Donc bah moi ça m'a bien plu de faire cette petite vidéo, je l'ai fait en 23 minutes. Donc je pense que la vidéo va pas être trop longue. Mais sinon bah ça vous a plu, si j'ai des vues sur cette vidéo, bah pourquoi pas faire l'intégralité du jeu avec vous. Ce serait sympa et puis ça vous permettrait de me voir flipper un peu plus. Parce que là j'avoue que là à un moment j'ai bien flippé. Donc moi sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, un joyeux Noël, un bon anniversaire, enfin tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, laissez un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis bisous bisous et à la prochaine pour de nouvelles aventures.